Page 40, passage Gimel, Ilchot Dam Alacha Alef. Alken Ikar Prinat Pesach, Walide Tikkun Abrit. Maintenant, le principe de Pesach, principalement, c'était par la réparation de l'alliance. Shaede Zenigalou, que grâce à ça, il y a eu la Geoula, il y a eu la délivrance. Kipelel Yitiat Mitzrayim Nimol Un Kulam. Parce que le soir de la sortie d'Égypte, ils ont tous fait la Brit Mila, comme je katouve, Kol Aral Lo Yochalbo. Comme c'est écrit, tout celui qui n'a pas la Brit Mila, il ne pourrait pas manger du Korban Pesach. Quel est Détikun Abrit Zochin Meiloa Kisufin Vaishtokekut Dikdusha. Parce que grâce à la réparation de l'Alliance, on peut arriver à avoir ces Retsonot, ces vouloirs et ces languissements de la Kdusha. Shem Prina Tresed Demitgale Befuma Dearma. Comme on avait dit, c'est le chesed, c'est la bonté qui se révèle grâce à l'alliance. Chesu prinat pesach kanal, ça c'est l'union de pesach. Alken nikra pesach prinat pesach kamova. Pour ça que le mot pesach, il se décompose en deux mots. Pesach, ça veut dire une bouche qui parle. Le pesach, p c'est la bouche, sach c'est parler. Donc pesach, ça veut dire une bouche qui parle. Kamova. C'est parce qu'on doit exprimer son vouloir avec la parole précisément. Les daber la siar bepe daika, c'est-à-dire de dire précisément avec la bouche ce qu'on désire. Et kola kisufim dikdusha shebelibo. Tout ce qui veut de bien dans son cœur, il ne faut pas qu'il ait peur de l'exprimer. Il faut l'exprimer devant Kadosh Baruch Hu. Donc on voit que Pessah. Quand on parle de Pessah, c'est-à-dire de sortie d'Égypte, c'est vraiment la réalisation de tous les tikkunim dont on parle ici. C'est-à-dire que ça a commencé par l'Alliance. L'Alliance, elle a donné la Emouna. La Emouna, ça a donné le Chesed. Le Chesed, ça a donné le vouloir de Gdusha. Et le vouloir de Gdusha, ça a donné Pessah, c'est-à-dire ça s'est exprimé dans la bouche. Et quand ça s'est exprimé, alors ils sont sortis d'Égypte. C'est-à-dire que les Maasé, l'histoire de la sortie d'Égypte, c'est eux qui l'ont faite, qui l'ont écrite grâce à leur vouloir. C'est pour ça que quand on dit, voilà, Mashiach il va venir, ou tous les jours il peut venir, etc. Et pourquoi Mashiach ne vient pas? Les gens ils se demandent pourquoi Mashiach ne revient pas, pourquoi le temple n'est pas reconstruit, etc. Ça dépend du vouloir de chacun, c'est tout. Si les gens voulaient vraiment que Mashiach vienne, alors ils seraient venus. Si chacun voulait vraiment dans sa vie réussir, alors il aurait réussi. Il n'y a pas de... C'est lui qui écrit sa vie. C'est le grand chidouche que Rabbeinu nous apprend ici dans cette Torah. C'est que chacun, il est l'écrivain. Il est le promoteur, il est le réalisateur de sa vie, de sa propre vie. Et il verra quand le moment sera venu que Béhémet, sa vie, elle était entre ses mains, elle était plutôt dans sa bouche. C'est-à-dire qu'il avait la possibilité avec sa parole de pouvoir changer sa vie complètement et en faire ce qu'il voulait vraiment en faire. Parce que Kadosh Baruch Hu, il a fait ça, c'est ça le sot de libre arbitre, c'est-à-dire c'est le secret du libre arbitre, c'est ça la plus grande merveille qu'Hachem il ait fait dans le monde, qu'il a donné le libre arbitre. Le libre arbitre, ça veut dire que tu fais de ta vie ce que tu veux. Une fois, on a demandé à Rabbi Nachman, qu'est-ce que c'est le libre arbitre? Alors Rabbi Nachman, il a dit le libre arbitre, c'est si tu veux, tu fais, si tu veux pas, tu fais pas. C'est ça le libre arbitre. Ça a l'air simple, mais c'est dans cette chose simple, il y a tout. C'est-à-dire que Béhémet, que personne ne vienne, ne perde du temps surtout, parce que c'est une perte de temps de croire que c'est par rapport aux autres. Toujours les gens, il faut qu'ils trouvent un bouc émissaire dans leur vie quand ils ont un problème. Il dit, tu vois, si celui-là, il n'avait pas parlé à celui-là, ben j'aurais pu trouver un travail, mais comme il lui a parlé, alors il n'a pas voulu m'embaucher à cause de ça, ça et ça, c'est pas vrai. Il n'y a pas de bouc émissaire dans notre vie. Il y a ce qu'on a, c'est ce qu'on mérite par rapport à ce qu'on a voulu. Et ce qu'on veut, c'est tout. Alors à nous d'exprimer. Voilà, Pessah, c'est une bouche qui parle. Voilà, la sortie d'Égypte, elle s'appelle Pessah. Ça, vous ne pouvez pas avoir une plus grande clarté. Elle a Pessah, une bouche qui parle. Voilà ce que ça veut dire, Pessah. Alors tous les gens, ils parlent de délivrance, de sortie d'Égypte. C'est quoi la sortie d'Égypte? C'est une bouche qui parle. C'est-à-dire de des gens qui ont décidé de créer un lien avec Hachem et de s'engager dans la Emouna, dans la foi, dans la confiance dans Hachem.
et par là de vouloir des choses bien, de les exprimer avec leur bouche, et avec ça ils ont fait l'histoire. Ils ont fait l'histoire. L'homme, c'est lui qui fait l'histoire. C'est pas l'histoire qui le fait. C'est lui qui fait l'histoire. Donc par le fait qu'ils sont arrivés à réparer l'alliance, ils sont arrivés à avoir la emouna, la confiance dans Hachem. Que c'est ça le ikar de la sortie d'Égypte. Qu'ils ont eu confiance dans Hachem. Et ils ont pu sortir après lui dans le désert. C'est-à-dire ils ont pu suivre Hachem dans un désert. Ils n'ont pas demandé comment on va faire, comment on va y arriver, parce qu'ils avaient confiance dans Kadosh Baruch Hu. Donc ils l'ont suivi dans le désert. Tout ça, il faut toujours l'interpréter. Rabbi Nathan, il parle toujours au niveau général, au niveau individuel. Maintenant, de temps en temps, il rattrape, il nous remet dans le contexte individuel, mais il faut vous habituer que quand on étudie, quand on parle toujours aux deux niveaux. On ne parle jamais qu'à un niveau. On parle toujours aux deux niveaux. Il y a un niveau clali, général, et un niveau individuel. Donc maintenant, par le fait que quelqu'un répare l'alliance, il répare la Emouna. Et la Emouna, c'est ça qui va le faire sortir d'Égypte. Parce que la Emouna, c'est ça qui va donner la force d'oser. D'oser sortir de la petitesse. D'oser sortir de ce qui nous maintient dans la restriction, etc. Comment on va sortir de ça? Par la Emouna. Donc on va commencer par réparer l'alliance. On va créer un lien avec Hachem. On va dire à Hachem, voilà, maintenant moi je veux me lier à toi. Je veux commencer à être en confiance avec toi. C'est-à-dire, je veux que tu me fasses confiance. Donc maintenant, je vais essayer de faire en sorte que toute ma vie, je sois que dans un comportement qui correspond à ce que tu attends de moi. Je veux essayer un maximum de m'engager là-dedans. Et ça, ça va donner la Emouna. Une fois qu'on a la Emouna, alors là, on sent vraiment qu'on a des ailes, parce qu'on peut tout faire. Quand on a Emouna, on peut tout faire. Parce que ça ne dépend plus de nous. C'est-à-dire qu'on passe à un autre niveau complètement. Ça ne dépend plus de nous. Comme je vous ai dit plusieurs fois, David Ameller, quand il s'est battu avec le lion, il a vu qu'il a gagné le lion. Alors, il ne s'est plus posé dans sa vie la question comment on va faire. Parce que comment on va faire, c'est une question d'être humain. Mais Hachem, lui, il peut tout faire. Nous, ce qu'on doit faire, c'est avoir confiance en lui. Mais pour arriver à avoir cette confiance, il faut développer le lien. Il faut se lier avec Hachem. On dit, je ne peux pas, moi je suis lié avec Hachem. On dit, tu viens, quelqu'un vous propose, on va aller faire ci, on va faire ça. On dit, je ne peux pas. On dit, pourquoi? Parce que j'ai un engagement avec Hachem, je suis lié avec lui. Et moi maintenant, j'établis un rapport de confiance avec Dieu, je ne veux pas le perdre. Donc maintenant, nos rapports avec Hachem, je vais essayer de les entretenir du mieux que je peux. Pour garder ma Emouna. Parce qu'une fois que j'ai la Emouna, je peux suivre Hachem dans le désert. Je n'ai pas un problème. Les gens se disent, bon, on va monter en Israël, mais comment on va faire, etc. Mais on ne va rien faire du tout. Ce n'est pas toi qui dois dire comment. Ça, c'est Hachem qui va faire le comment. Toi, tu dois avoir assez de force pour te rendre compte que tu peux le faire. Maintenant, tant que tu ne te rends pas compte que tu peux le faire, ça veut dire que tu n'as pas assez d'Emouna. Il faut travailler la Emouna. Comment tu vas travailler la Emouna? Par le lien. Comment tu vas faire le lien? Tu vas parler avec Hachem. Tu vas parler, tu vas dire, voilà, j'ai fait ça, je voudrais faire ça, j'ai ça. Tu vas commencer à créer un lien, à entretenir des rapports avec Hachem permanents, constants. Une fois maintenant que tu vas être habitué à discuter avec Hachem, automatiquement tu vas avoir la Emouna. Cette Emouna, elle va t'ouvrir toutes les portes. C'est-à-dire que maintenant, tout est ouvert devant toi, à toi de faire ce que tu veux. Tu peux faire ce que tu veux. Du moment où tu as la Emouna, tu peux faire ce que tu veux. Parce que maintenant, c'est ouvert. C'est-à-dire que maintenant, tu sais que tu as un appui. Tu as l'appui du Créateur, tu peux y aller. Tu peux faire ce que tu veux. Tu te sens en confiance. Donc, tu n'as pas un problème de dire, je vais monter en Israël, qu'est-ce que je vais faire, etc. Quand les gens ils ont quitté les pays dans lesquels ils étaient en galoute, en Algérie, au Maroc, en Tunisie, tout ça, que les gens ils sont venus en France, ils ne se sont pas dit comment on va faire là-bas, etc. Et même s'ils se sont dit comment on va faire là-bas, de toute façon, il n'y avait pas de réponse. Il n'y avait pas le choix. Alors, ils l'ont fait. Maintenant, pour l'instant, les gens, ils ont le choix de monter en Israël ou pas. Peut-être qu'il arrivera un moment où les gens, ils n'auront plus le choix. Mais c'est mieux de le faire quand on a le choix.
parce que ça donne plus de dignité à l'homme, il se sent plus... c'est un acte de Emouna. C'est beaucoup plus important d'avoir un acte de Emouna que d'avoir un acte où on est... de faire un acte dans lequel on subit la situation parce qu'on n'a pas le choix. C'est mieux toujours d'avoir le choix. Plus on a le choix, et plus ça nous fait grandir. Donc la première chose, c'est qu'il faut commencer à établir des liens avec Hachem. Prendre conscience de l'existence d'Hachem, prendre conscience que c'est Hachem qui fait tout dans le monde, que c'est Hachem qui renouvelle tout. Chaque jour, le monde est nouveau. Chaque jour, tout peut se changer. Chaque jour, à tous les niveaux. Au niveau de la Torah, au niveau des rencontres que je vais faire, au niveau du monde, au niveau de ma santé, au niveau de tout. Tout peut changer chaque jour. Tout est renouvelé chaque jour. Et ça va donner cette dynamique-là, elle va donner un lien avec Hachem. On va commencer à chercher comment se lier à cette dynamique, comment parler avec Hachem de manière à ce que ma vie ne soit pas une vie qui soit laissée comme ça à n'importe quoi. C'est une vie qui est en rapport avec Dieu. Voilà ce que je cherche. Alors plus je vais établir des liens, et plus je vais avoir confiance. Et une fois que j'ai confiance, je sors d'Égypte. C'est-à-dire je ne suis plus quelqu'un qui va agir selon les limites de mon cerveau, je suis quelqu'un qui va agir avec mon vouloir. Et le vouloir, il n'est pas limité. Le vouloir, il n'a pas de limite. Vous pouvez vouloir être un oiseau, vous pouvez être ce que vous voulez, vous pouvez vouloir. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de limite dans le vouloir. Le cerveau, il a ses limites, mais le vouloir, il n'a pas de limite. Donc on a comment on sort des limites du vouloir par la Emouna. Comment on rentre dans la Emouna par le Tikkun HaBrit, par l'Alliance. Comment chamons Tenuzal Kedai hem ve Emouna sheminu bi ve yatsu. HaKadosh Baruch Hu, il a dit, ça valait la peine, la confiance qu'ils ont eue en moi, et c'est grâce à ça qu'ils sont sortis. Zeprinat zachatila chesed neuroaïr ahavat klulotaïr lechtech acharai bamidbar beeretz lo zeru'a. HaKadosh Baruch Hu, il a dit, c'est écrit dans le prophète Jérémie, dans le prophète Jérémie, Bet, Zachartila Chesed Neuraïr. Je me rappelle la bonté de ta jeunesse, Avat Klulotaïr, l'amour que tu as eu pour moi. Pardon. Lechter Acharai Bamidbar, quand tu m'as suivi dans le désert. Beretz lo zeru'a, dans une terre qui n'était pas du tout encore semée. C'est-à-dire, tu es parti dans un désert total. C'est ça la bonté de la jeunesse. C'est ça la jeunesse. Cette jeunesse-là que Rabbeinu dit de rester jeune, de ne pas vieillir, c'est d'être capable de s'engager dans l'inconnu. C'est ça la jeunesse. Plus on vieillit, plus on a besoin d'avoir de la sécurité, de se sentir installé, etc. La jeunesse, c'est la capacité de s'engager sur de l'inconnu. C'est ça qu'on a fait quand on est sorti d'Égypte. Chez Zenehemar, l'Etiat Mitzrayim. Pardon. Ça, ça a été dit sur la sortie d'Égypte. Chez Eminu Bashem, Valchou Acharav Bamidbar. Ils ont eu confiance dans Hachem. Ils ont été après lui dans le désert. Que tout ça, on y arrive grâce à la réparation de l'alliance qu'ils ont eu le mérite d'y arriver à ce moment-là. Ça donne bonté et amour. Ça donne de vouloir de la Kdusha. Ces vouloirs de la Kdusha, ils viennent principalement du fait que la personne, elle a eu un lien avec Hachem, elle a eu de la Emouna. Ça, Pessah, c'est ça, Chesed l'Avraham, c'est ça la bonté d'Avraham Avinu, que c'est Chesed l'Avraham. C'est-à-dire que maintenant, du moment où il y a eu alliance, il y a bonté, il y a Emouna et il y a bonté. Cette bonté, c'est la capacité de s'engager. La capacité de s'engager dans l'inconnu, de ne pas chercher à savoir comment ça va marcher, d'être sûr que ça va marcher. Parce qu'on s'engage avec la Emouna. Toute personne qui a fait tchouva, toute personne qui s'est reprochée d'Hachem, à un moment, elle a dû utiliser cette chose-là. Sinon, on n'aurait pas pu s'engager. On ne peut pas s'engager avec HaKadosh Baruch Hu si on n'a pas la Emouna. Comment on va s'engager? Qu'est-ce qu'on va devenir? Les gens, ils commencent par les premiers problèmes. Comment je vais avoir mon emploi? Je vais perdre mon emploi parce que je travaille le Shabbat. Alors, si je fais Shabbat, comment je vais faire? Je ne peux pas
j'ai un emploi où je dois travailler le Shabbat. Mais si tu as la Emouna, alors tu vas avoir confiance dans Hachem. Hachem, tu crois qu'il va te priver de ta parnassa parce que tu gardes le Shabbat? Au contraire, Hachem, il va te donner beaucoup plus de parnassa parce que tu gardes le Shabbat. Tu crois quand Hachem, il t'a donné le Shabbat, il t'a fait un cadeau. Il a dit, voilà, j'ai un cadeau qui s'appelle Shabbat. Tu crois qu'Hachem, il va te faire un cadeau empoisonné? Hachem, il va te faire un cadeau qui va t'enlever ta parnassa. Est-ce que tu peux penser une chose comme ça? Si tu peux penser une chose comme ça, ça veut dire que tu n'as pas confiance dans Hachem. Pourquoi tu n'as pas confiance dans Hachem? Parce que tu ne le connais pas, c'est tout. Tu n'as jamais fait des liens avec lui, tu n'as jamais créé des liens avec lui. Crée des liens avec lui, tu vas le connaître, tu vas avoir confiance en lui. Et tu verras que ça ne prend une épreuve du tout de faire une proposition à ton patron, de lui dire, voilà, je m'excuse, mais pour des raisons personnelles, je ne pourrai plus travailler le Shabbat. Et tu attends la réponse, tu verras. Si le patron te dit, eh ben, il n'y a pas de problème, restez chez vous, eh ben, ça va, tu verras qu'Hachem va te donner autre chose. Hachem va te donner autre chose. Parce que Hachem ne peut pas te dire de faire la Torah, que cette Torah, ça va te faire du mal. Ça n'existe pas, ça. La Torah, elle est faite que pour le bien. La Torah, elle ne fait pas de mal à personne. Hachem, il n'a jamais voulu faire du mal à qui que ce soit. Hachem, il ne fait que le bien. Donc maintenant, quand quelqu'un il s'engage, ça c'est un premier niveau, mais c'est une guerre quand même. Celui qui doit faire un choix d'emploi le Shabbat, à son niveau, c'est une guerre. Et après, il y a des guerres. Après, ça avance. C'est à d'autres niveaux, à d'autres niveaux, à d'autres niveaux. Chacun, là où il a toujours une guerre d'engagement. Cet engagement-là, il va provenir de la Emouna. Combien de plus il va avoir de la Emouna, plus il va pouvoir s'engager. Quelqu'un, il vient au Mans, il vient prier ici. Qu'est-ce qu'il y a ici? Il voit une tombe, une petite maisonnette, et voilà, il doit prier. Et voilà, il est ma'amin que quand il a fait son tikkun haklali, ce rave-là, il va l'aider. Il va le sauver. Alors maintenant, ça, c'est basé que sur la Emouna. La personne, c'est sûr qu'il y a des gens qui sont venus du monde de l'autre monde et qui en rêvent à des gens et qui leur ont dit des choses sur le tikkun haklali, mais pas chouette. Quand on vient ici, on vient avec la Emouna. D'où on a la Emouna, c'est parce qu'on a entretenu des liens avec le tzaddik, des liens avec les hommes du tzaddik, des liens avec la Torah du tzaddik. Ces liens là ils nous ont permis de rentrer dans la Emouna. Et s'il n'y a pas la Emouna, alors il n'y a rien, on peut rien faire du tout, on est bloqué, on ne peut pas avancer s'il n'y a pas la Emouna. N'importe quelle épreuve, elle va nous sembler difficile et insurmontable. Mais si on sait que c'est Hachem qui envoie l'épreuve, et c'est Hachem qui va résoudre le problème, alors on n'a aucun problème à s'engager. On a suivi Hachem dans le désert. Chacun, tout celui qui s'est rapproché d'Hachem, à un moment, il a suivi Hachem dans le désert. Que ce soit dans sa vie personnelle, dans sa vie conjugale, dans sa vie de parnassa, dans sa vie d'éducation des enfants, dans ses fréquentations, dans sa nourriture, dans tout. Il s'est engagé dans le désert. À un moment, il a été dans le désert et c'est la seule façon d'avancer. Il n'y a pas d'autre façon d'avancer. Et il disait, « Zochim le chesed ve'ahava, prinat kisufim » Et c'est ça qui est écrit quand tu m'as suivi dans le désert, Hachem il a dit. Par la Emouna, on répare les chemins. Donc maintenant, il revient à ce qu'on avait dit dans la Torah, que les chemins, ils se réparent grâce à la Emouna, puisqu'on a dit que le chemin fonctionnait, ils étaient sous l'influence astrale, et que maintenant, pour ne pas avoir de problème sur les chemins, il fallait dépasser le niveau des astres. Grâce à la Emouna, parce que maintenant, grâce à la Emouna, on va arriver à opérer sur les astres et les étoiles, et à ce moment-là, il n'y aura pas de difficulté sur les chemins. Alors toujours sur les chemins à deux niveaux, toujours sur les chemins mamash, c'est-à-dire la route mamash, le voyage, et les chemins de recherche de sa vie, de ce rapprochement à Dieu, de ce rapprochement au tzaddik. Ça aussi, c'est le chemin de chacun, c'est son chemin. Et là aussi, il faut qu'il ait de l'aide pour ne pas trébucher dans son chemin, pour ne pas qu'il fasse des rencontres qui vont lui être néfastes ou qui risquent de le détourner. Combien de gens, ils ont commencé leur recherche, ils étaient sincères, et ils se sont fait détourner par des gens qui les ont menés d'un côté ou d'un autre. Maintenant, ça vient aussi de quoi ?
ça vient des astres. Les astres qui vont créer des rencontres qui sont négatives et qui vont détourner les gens. Donc la Emouna, elle va permettre aussi de nettoyer le chemin, le chemin spirituel, pas que le chemin matériel, aussi spirituel. Pour ça, l'Echter, c'est-à-dire tu as été après moi dans le désert, l'Echter, précisément, tu as été avec moi. Parce que grâce à ça, qu'ils ont eu la Emouna dans Hachem. Et ils ont été après Hachem dans le désert. Grâce à ça, ils ont eu le mérite de réparer le chemin. Hachem, il aurait éclairé le chemin pour aller dans le désert. Comme Shkatouv, Af Asim Bamidbar Derech, Akash Bokhu, il a dit dans le prophète, dans Yeshaya, Akash Bokhu, il a dit, je vais mettre aussi un chemin dans le désert. C'est-à-dire, tu vois le désert, il n'y a pas de route, moi je vais te créer une route dans le désert. Comme Shkatouv, Vachem Olech Ifneim Yomam, Le Nachotam Aderech. Comme c'est écrit, Hachem lui-même, il allait devant eux le jour pour leur montrer le chemin. Parce que le chemin, il se répare grâce à la Emouna. Alors Hachem, il avait fait dans le désert, il avait mis tout un système, une nuée pour éclairer, cette nuée aussi, elle nettoyait la route, elle enlevait tout ce qu'il pouvait y avoir comme scorpions ou bêtes, etc. Elle a planifié le chemin. Et il y avait l'éclairage, il y avait tout ce qu'il fallait pour pouvoir fonctionner dans le désert et faire un chemin dans le désert. C'est pour ça qu'on dit que les kavanot du mois d'Eloul, c'est-à-dire que les secrets du mois d'Eloul, c'est Anoten Bayam Derech. C'est que Hachem, il met un chemin dans la mer. Dans la mer même, Hachem, il fait un chemin. C'est-à-dire dans l'océan de la Chochma, dans l'océan de la sagesse et de la connaissance, là-bas même, Hachem, il fait un chemin. Quand vous voyez ce que c'est la connaissance dans le monde, vous dites, mais comment je vais arriver à trouver mon chemin là-dedans? Il y a tellement de choses. Rentrer dans une bibliothèque municipale ou un truc, regarder un peu les livres. Maintenant, qui est-ce qui va vous dire que dans tous ces livres-là, il y en a un qui vous parle de votre chemin? Dans tous ces livres, vous allez voir des millions de livres. Maintenant, comment on va faire pour... Moi, dans ces livres-là, il y en a 1, 2, 3, 5, 10 qui me concernent. Okay? D'où je sais qu'est-ce qui c'est ces 10-là? Qui est-ce qui va diriger mon chemin? Comment je vais trouver ma route? C'est quelque chose de pratiquement impossible. C'est-à-dire que vous, si vous essayez d'y réfléchir logiquement, c'est impossible. Comment on va arriver? Très difficile. Comment je vais trouver mon chemin? Alors Hachem, il a fait en sorte que dans le désert, c'est-à-dire dans cette multitude de chemins qui sont les Maaseh, un désert, puisqu'il y en a tellement que ça devient un désert, puisque je ne sais pas quoi choisir. Les gens, ils ont voulu tellement créer de chemins qu'ils ont fait des déserts. C'est-à-dire qu'il y a tellement de chemins que ça y est, on ne sait plus quoi faire. Donc c'est redevenu un désert. Quand il y avait 2, 3, 4, 5 chemins, ça va. Mais quand il y a des milliers de chemins, d'idéologies, etc., alors le monde redevient un désert. Comment je vais m'orienter? Vers quoi je vais aller? Je ne sais pas vers quoi je vais aller. Alors j'ai besoin qu'on m'aide. Quand je vois, il dit, voilà, je vais réparer les chemins grâce à la Emouna. Je vais te donner un chemin. Tu vas savoir quel chemin suivre. Tu vas savoir vers où aller. C'était ça le chemin dans le désert. C'est-à-dire, les gens, ils ont suivi Moshe Rabbeinu. Et ils ont été dans le désert. Et Hachem, il leur a arrangé le désert matériellement et spirituellement aussi. Hachem, il leur a promis, il leur disait à chaque fois, voilà, ça va être bien et tout, continuez, vous allez voir, vous allez arriver à quelque chose de super, etc. Continuez, renforcez-vous, etc. Vous allez y arriver. Hachem, il encourageait dans le chemin. Ça, c'était d'un côté, Hachem, il encourageait dans le chemin. Et d'un autre côté, Hachem, il faisait le chemin lui-même, il nettoyait la route. Donc celui qui s'engage, Béhémet, il n'a aucun souci à se faire, parce qu'il a les deux côtés, et là, Kadosh Baruch Hu, il lui prépare son chemin, matériellement, mais aussi spirituellement, qu'il lui mette en face de lui, qu'il lui fasse rencontrer les gens, les idées, qui sont les bonnes idées pour lui, pour qu'il puisse avancer. Alors, Dalet, Rabbi Nathan, il dit, « Vezeu, Shamwa, Betenuzal » Et c'est ça qu'ils ont dit nos chachamim. Bishvil arba dvarim nigalu. Maintenant, les Bnei Israël, ils ont été délivrés grâce à quatre choses. Ad sheloshinu et shemam. Ils n'ont pas changé leur nom. Les Bnei Israël, ils n'ont pas changé leur nom.
Il s'appelait Yaakov, il ne s'est pas fait appeler Patrick, parce qu'il s'appelait Yaakov. Ça, c'est une chose qu'ils ont eue en Égypte. Ils n'ont pas changé de nom. L'Oshinu et l'Eshonam, ils n'ont pas changé leur langue. C'est-à-dire, ils parlaient l'hébreu, ils sont restés des hébreux, ils ont continué à parler l'hébreu. Vayuk Durim, Mina Arayot, Ume Avodazara. Et aussi, ils faisaient attention aux Arayot, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'adultère, il n'y avait pas de rapport interdit. Et aussi, il n'y avait pas de rapport, il n'y avait pas d'Avodazara, il n'y avait pas d'idolâtrie. Alit Pale Amaen, Asher Nimsa, Bekam, Komo, Divrab, Tenuzam, Voir, Shaloyuk Durim, Avodazara. Il dit, entre parenthèses, Rabbi Nathan, il dit, ne regarde pas, ne te pose pas de questions, pourquoi ailleurs c'est écrit que les Bnei Israël faisaient Avodah Zarah. Aval Nimsa, be Midrash Rabba, be Midbar, Pashat Gimel, Pasuk, Motsi Asiri, mi Kosharot, she Bisrut Aksherim, she Baem, she Lo Avdo Avodah Zarah, ne Gaalu, Ain Sham. Nimsa, she Elu, ve Elu, Dvre Elu, Kim Chayim, she Dugam, Bisrut, she Ayuk, Durim, Avodah Zarah. Donc ici, il rapporte rapidement, entre parenthèses, qu'il est écrit dans le Midrash que Béhémet, il y avait une partie dans l'âme Israël qui n'ont pas fait Avodah Zarah du tout. Et le fait que cette partie-là, ils n'ont pas fait Avodah Zarah, ça a été compté pour tout le peuple. Dans le peuple, il a été sauvé pour quatre choses. Ils n'ont pas changé de nom, ils n'ont pas changé de langue, ils n'ont pas eu des rapports interdits, et ils n'ont pas fait d'idolâtrie. C'est les quatre choses qui ont permis de mettre en place cette sortie d'Égypte. Chez l'Oshinu et Shmam, qu'est-ce que ça veut dire qu'ils n'ont pas changé leur nom? C'est Prinat Ishtokekut Vekisufim Dikdusha. Ça veut dire qu'ils avaient des vouloirs et des désirs de la Gdusha. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas changé leur façon de voir les choses. Et des Enaasim Nefashot, que ça crée des âmes. Vashem Hua Nefesh. Maintenant, le nom, c'est l'âme. Comme je katouv nefesh chaya ou shmo. Comme s'écrit une âme vivante, c'est ça son nom. Comme je katouv rabbenouzal be makom acher. C'est-à-dire que, comme Rabbeinu l'a écrit dans un autre endroit, dans la Torah 59, dans l'Écoute Moharan. Donc maintenant, le fait qu'ils n'ont pas changé leur nom, ça veut dire qu'ils n'ont pas changé ce qui était leur essence, l'essence de leur nom. C'est-à-dire que le fait qu'ils s'appelaient des Bnei Israël, alors c'était leur essence, c'était de chercher Hachem, de chercher à se rapprocher d'Hachem, de vouloir se rapprocher d'Hachem. Ça, ils ne l'ont pas changé. Otsrichim leotsia kisufim bepe. Et il faut aussi exprimer ce vouloir-là avec la bouche. C'est-à-dire que ça ne suffit pas maintenant de vouloir, il faut le dire. Vezé loshinu et leshonam. Et c'est ça qu'ils n'ont pas changé leur langue. Dehainu lashon hakodesh. Ils n'ont pas changé, ils ont parlé lashon hakodesh. Qu'est-ce que ça veut dire lashon hakodesh? C'est-à-dire que kdushat halashon. C'est-à-dire leur langue, leur façon de parler, ce qu'ils exprimaient avec leur bouche, c'était le vouloir de la kdusha. C'est-à-dire le fait que maintenant on exprime par la parole les désirs qu'on a vers la Gdusha. Chez Zéhu, Prinat, Lashon HaKodesh. Que ça s'appelle Lashon HaKodesh. Shua Lashon chez l'Israël, Am Kadosh. C'est le Lashon du Ham Israël, la langue du Ham Israël qui est un peuple saint. Donc ici on ne parle pas spécialement de savoir parler l'hébreu, c'est-à-dire de savoir dire comment on dit une vache en hébreu ou comment on dit le soleil en hébreu. Ici on parle Lashon HaKodesh, ça veut dire d'utiliser sa parole pour parler de choses de Kdusha, pour parler de choses qui sont intéressantes par rapport au tachlit, au but pour lequel on est venu dans ce monde. Des choses qui nous aident à pouvoir nous rapprocher d'Hachem. On a une discussion avec quelqu'un, alors on parle de Avodat Hashem, comment on va faire, comment on a trouvé telle chose, telle histoire, voilà, c'est ça le Lashon HaKodesh. Ça veut dire on sanctifie la communication, on sanctifie le langage, on sanctifie le fait qu'Hachem nous a donné ce keli extraordinaire, cet instrument extraordinaire qui est la parole, qui est le moyen de communication par la parole. Alors on va l'utiliser justement pour exprimer notre vouloir de nous rapprocher d'Hachem. J'ai pris notre lachon à Kodesh ou à lachon chez l'Israël en Kadosh. Qui car à Dibour va lachon chez l'Israël ou Rak qui suffit juste au Kekut d'Igdusha. Parce que toute l'expression, toutes les paroles du Ham Israël, c'est que des vouloirs de se rapprocher de la Gdusha. Maché Israël, Mishtokekim, Idgayim, Tamid, Lachem, Idbaha. Le fait que le Ham Israël, ils veulent tout le temps se rapprocher d'Hachem.
שצריכים להוציא בפה כיסופים אלו, qu'il faut dire de vive voix ses vouloirs, שזהו עיקר קדושת הלשון, מבחינת לשון הקודש של ישראל. Que c'est ça le ikar de la sanctification de la langue, c'est-à-dire le Lashon HaKodesh, la langue sacrée du Ham Israël, c'est-à-dire d'exprimer, de parler du sacré, de parler des choses sacrées. Vezehu shelo shinu et shemam. C'est ça qu'ils n'ont pas changé leur nom. Shua nefesh dikdusha, shenal yedea sea kisufim dikdusha. Qu'est-ce que c'est qu'ils n'ont pas changé le nom? Ils n'ont pas changé leur âme, qui est une âme sainte, qui vient du vouloir de la sainteté. Velochinu et Leshonam, et ils n'ont pas changé leur langue. Aïnou Shayoum et Dabrim Tamid Lashon HaKodesh. Toujours, ils parlaient du Lashon HaKodesh, c'est-à-dire toujours, ils sanctifiaient leurs paroles. Prinat Kdushat Adibou. Aïnou Shayoum et Dabrim Bepe Takisufim Dikdusha Shelahem. Ils disaient toujours ce qu'ils voulaient dans la Kdusha, ils l'exprimaient. Jésus Prinat Lashon HaKodesh. Ça, c'est Lashon HaKodesh. Donc ils n'ont pas changé leur nom, ça veut dire qu'ils n'ont pas changé leur identité véritable, qui était de se rapprocher d'Hachem. Et ils n'ont pas changé leur nom, leur langue, ça veut dire qu'ils ont, gardé l'habitude d'exprimer ce vouloir-là, toujours avec la bouche, toujours de dire à Hachem, quand est-ce que je vais avoir le mérite de me rapprocher de toi, de marier, d'avoir des enfants, de vivre en Israël, d'étudier la Torah, de prier, de faire connaître le nom d'Hachem dans le monde, de faire connaître le nom du tzaddik dans le monde, le nom d'Hachem. Comme c'est écrit que le nom du tzaddik, c'est le nom d'Hachem. Quand on parle de Moshe Rabbeinu, on parle d'Hachem. Quand on parle du Ham Israël, on parle d'Hachem. Donc chacun, par rapport au niveau qui est au-dessus de lui, c'est le nom d'Hachem, celui qui peut le rapprocher d'Hachem, le lien qui va lui permettre de se rapprocher d'Hachem. Pour lui, c'est ça le nom d'Hachem aujourd'hui. Un enfant, le nom d'Hachem pour lui, c'est ses parents. Les parents, pour eux, le nom d'Hachem, c'est leur Rav. Et le Rav, pour lui, le nom d'Hachem, c'est Hachem Mamash. C'est-à-dire que maintenant, le lien, au niveau où on se trouve, chacun, il a son lien. C'est pour ça que quand Moshe Rabbeinu est venu, il leur a dit, on va sortir. Alors ils ont dit, d'accord, ce que tu dis, on va le faire. Parce qu'il y avait un lien avec Moshe Rabbeinu, il y avait un lien avec le nom. Comme eux, ils ont gardé leur nom, ils ont gardé leur identité. Et leur identité, c'est de savoir pourquoi on est venu dans ce monde. On est venu dans ce monde pour servir Hachem. Ça, c'est l'identité, c'est le nom. Alors, comme maintenant, on est venu dans ce monde pour servir Hachem, on va utiliser notre capacité à s'exprimer, à créer des liens, qui est la parole, on va l'utiliser pour se rapprocher d'Hachem. Donc, on va parler Lashon HaKodesh, c'est-à-dire qu'on va sanctifier la parole. « Aken zochim al-yede shmirat abrit shayedeze zochim le'emuna » Maintenant, tout ça, on y arrive par le fait qu'on garde l'alliance, ça va nous donner la Emouna. Et c'est ça qu'ils avaient des limites, on va dire, ils étaient protégés des rapports interdits et de l'idolâtrie. C'est-à-dire le Tikkun Abrit et Tikkun Emouna. Donc, ils avaient en même temps Tikkun Abrit de l'alliance, de ne pas avoir des rapports avec des personnes qui sont interdites. Et aussi de réparer la Emouna, c'est-à-dire de ne pas faire Avodah Zara, de ne pas aller vers l'idolâtrie. Que ça leur a donné un vouloir et un languissement de la sainteté. Et c'est ça qui a fait le Ikar de la Geoula. Le Ikar de la Geoula de Pessah, c'est venu grâce à ça. Par le fait qu'ils ont gardé leur nom, ils ont gardé leur langue et ils ont gardé. Ils ont protégé leur identité aussi par rapport au rapport qu'ils avaient et par rapport aussi au culte étranger, c'est-à-dire à l'idolâtrie. Donc vous voyez, c'est ça qui cerne l'individu complètement. C'est ces domaines-là dans lesquels il doit faire attention. Il doit faire attention à son nom, c'est-à-dire à son identité véritable, à son langage, comment il s'exprime, de quoi il parle. Ensuite, d'avoir des rapports avec des gens qui sont permis et d'avoir de faire attention à l'Avodah Zara, c'est-à-dire à l'idolâtrie. Et vous verrez que ça, ces quatre choses-là, c'est que des choses de lien, c'est que les outils de la communication. Si on garde ces outils de communication, alors la communication avec Hachem, elle est évidente. Et à ce moment-là, on arrive à Pessah, c'est-à-dire une bouche qui parle de la sainteté. Et c'est ça qui a permis de faire Pessah, c'est-à-dire la délivrance. Je vous prie la Chesed de Avraham, qui est le Nyan de Chesed d'Avraham Avinu. Donc grâce au vouloir
et à l'englissement vers la Gdusha, que ça va créer des âmes. Aïdézé Achila ou Prinat Lechem Apanim. À ce moment-là, quand on mange la nourriture, ça devient une nourriture du visage. Qu'est-ce que ça veut dire une nourriture du visage, de la face? Ça veut dire que ça devient une nourriture dans laquelle va se révéler le visage d'Hachem. Et Zéprinat Matzot Sechim Lechol Bepessah. Pour ça qu'à Pessah, on doit manger des matzot, des galettes. Zeprinat lechem apanim shayu baim matzah. Et c'est ça le lien qu'au Beth Amikdash avait un pain qui s'appelait le pain du visage, le pain de la face. Et ce pain-là, c'était des matzot, c'était des galettes qu'il y avait au Beth Amikdash. Ki lechem apanim hu lechem cham d'arge de Avraham. Parce que qu'est-ce que c'est lechem apanim? C'est lechem cham, c'est le degré d'Avraham Avinu, c'est le pain chaud, on en avait parlé dans la Torah. Le pain chaud, ça veut dire que c'est pas que le pain qui sort du four ou de la boulangerie. Le pain chaud, ça veut dire que maintenant, c'est une vie de contact avec Hachem, une vraie vie. Ça s'appelle le pain chaud, ça veut dire que les situations, elles sont riches en émotionnel divin. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de contacts divins dans ma vie. C'est-à-dire que quand j'entends des paroles, quand j'entends une musique, quand je vois quelque chose, je vois toujours une manifestation d'Hachem. Ça s'appelle du pain chaud. Mais les gens, que quand ils voient quelque chose, pour eux, ils ont vu quelque chose de mort, ils ont vu quelque chose qui n'a pas de spécialement un sens autre que le sens primaire. Alors ça s'appelle du pain sec. C'est-à-dire qu'il n'y a rien dedans, il n'y a pas de vie là-dedans. C'est juste qu'on est en train de pousser une chose qui pousse une autre et on fait avancer la vie. C'est tout, mais c'est pas une vie qui s'appelle vivante, maman. C'est pas chaïm, parce que le pain il est pas chaud, ça veut dire qu'il y a pas de prise de conscience d'Hachem dans tout. On voit pas Hachem partout, parce que il manque les niveaux d'avant dont on a parlé. Alors quand on vient à manger, à rentrer de la nourriture, de la matière dans son corps, cette matière là elle communique pas la présence d'Hachem. Si jamais il y a pas eu les tikkunim qui ont été faits auparavant. Kilechem apanim ulechem im darge de Avraham. Parce que le lechem apanim, le pain du visage, le pain de la face, c'est un pain dans lequel il y avait le niveau d'Avraham Avinu. C'est-à-dire que maintenant, Avraham Avinu, c'est kechom hayom, c'est-à-dire quand le jour est chaud, qui Avraham zachal et prinazo, kechom hayom, parce qu'Avraham Avinu, il est arrivé à ce niveau-là, à la chaleur du jour. Qu'est-ce que c'est la chaleur du jour? Ça veut dire que ces instants de vie, tous ces instants de vie, ils étaient riches en diffusion de l'infini. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de présence d'infini dans sa vie. Il voyait beaucoup Hachem. Dans les Détikoun Abrit, il disait Mitzvat Mila. Comment il est arrivé à ça? Grâce à la réparation de l'Alliance, puisque Avraham Avinu, il a fait la Mila. Qui az acher shenimo nemar sham etzlo kechom hayom. Après qu'il a fait la Mila, c'est écrit sur Avraham Avinu kechom hayom, dans la chaleur du jour. C'est-à-dire il a connu l'intensité de la chaleur du jour à ce moment-là, quand maintenant il a fait la Brit Mila. Ki otzi HaKadosh Baruch Hu az chama min ha'artika. Parce qu'HaKadosh Baruch Hu, c'est écrit qu'il a sorti le soleil de son écrin. Comme Shambo Abtenuzal. Ce jour-là aussi, il a fait des matzot, Avraham Avinu. Alors, vous voyez ici comment tous les éléments ils sont liés. Avraham Avinu, il fait la Brit Mila. Du moment où il ferait la Brit Mila, d'abord, Avraham Avinu, il commence à établir des liens avec Hachem. D'accord? Il commence à parler avec Dieu. Il parle avec lui, il dit voilà, moi je t'ai cherché, j'ai compris que dans ce monde-là, on n'est pas là pour des bêtises, etc. Mais que mon père, ça soit un idolâtre, tu vois, mais moi, je cherche un autre chemin. Je cherche le chemin d'Hachem. J'ai compris qu'il y a Hachem dans le monde, etc. Et il commence à parler avec Dieu, il parle avec Dieu. Quand maintenant il a établi ses liens, Hachem lui dit Avraham, tu vas faire la Brit Mila maintenant. Alors il fait la Brit Mila. Une fois qu'il a fait la Brit Mila, Hachem il sort le soleil de son écrin. Pourquoi Hachem il sort le soleil de son écrin? Alors c'est écrit dans le Pshat, c'est que Akadosh Baruch Hu, il voulait pas qu'il soit dérangé par des passants, parce que lui dès qu'il voyait quelqu'un passer, il l'invitait à manger. Donc comme il était fatigué par la Mila, Akadosh Baruch Hu, il voulait pas le déranger, il a fait sortir le soleil pour essayer d'amenuiser la présence d'invités. Mais le Béhémet, ce n'est pas du tout ça que ça veut dire. Il y a ce pchat-là, c'est un pchat aussi. Mais l'explication, elle est bien au-delà de ça. L'explication, c'est que Hachem, du moment où Avraham Avinu, il a fait la Brit Mila, alors Hachem, il lui a donné une révélation du soleil, c'est-à-dire qu'il lui a fait
voir la présence d'Hachem partout, dans tout, dans sa nourriture, dans les arbres, dans les oiseaux, partout il y avait la présence d'Hachem. Il l'a vu, parce que ça, c'était qu'une intensité de lumière, ça dépend que de l'intensité de la lumière. C'est comme si vous prenez un scanner, ou vous prenez un appareil qui fait une... ces genres de scanners qu'on prend pour voir les bébés dans le ventre ou autre. Alors maintenant, quand on met cet appareil-là, vous voyez que cet appareil, il passe au-delà des couches, il passe au-delà de la peau, etc. Et on va voir ce qu'on est intéressé de voir. Maintenant, dans le ventre de la maman, il y a un petit bébé. Alors maintenant, quand on voit le ventre de la maman, on ne voit pas qu'il y a un petit bébé. Maintenant, avec ça, ça va éclairer au-delà de ces couches-là, de la chair, etc. Et on va arriver, on va voir le bébé maman à l'intérieur. Maintenant, quand Kadosh Baruch Hu, il a sorti le soleil de son écran pour qu'on voit Hachem dans le monde. Pour qu'on voit Avraham Avinu, il a vu Hachem Mamash dans le monde, grâce à ce soleil-là qui est sorti très très fort. C'est pour ça que c'est écrit que l'Atid, dans le futur, Hachem il va sortir le soleil de son écran. Mais le problème, c'est que maintenant, les gens qui n'auront pas fait tshuva, les gens qui ne vont pas se rapprocher d'Hachem, quand on va arriver à la fin de l'histoire, ils vont dire, ouais, mais c'est facile, à eux, vous leur avez sorti le soleil et ils ont vu la vérité. Mais nous aussi, si on avait vu ce soleil-là, on aurait vu la vérité. Alors Hachem, il va leur sortir le soleil. Mais ils ne vont rien voir du tout. Pourquoi? Parce que pour voir, il faut avoir réparé d'abord l'alliance. Sinon, on ne peut pas voir. Voir, ce n'est pas quelque chose qui se fait par le fait uniquement de l'intensité du soleil. L'intensité du soleil, ça va compléter le fait qu'il y a eu le lien qui a déjà été fait. Une fois que ce lien il a été fait, à ce moment-là, l'intensité du soleil, elle va permettre de voir. Donc maintenant, dans les mitzvot qu'on fait, dans chaque mitzvah, il y a une révélation d'Hachem. Chaque mitzvah, c'est une lumière qui va nous permettre de voir Hachem plus dans notre vie. Avraham Avinu, il a eu le mérite qu'une fois qu'il a fait la Brit Mila, c'est écrit « Kechom Hayom », c'est-à-dire dans la chaleur du soleil. La chaleur du soleil, ça veut dire l'intensité de la révélation divine. Puisque maintenant, il avait établi un lien avec Hachem, il était capable de voir Hachem et d'en vivre. Alors qu'il y a des gens qui voient Hachem, et Chas V'Shalom, ils peuvent en mourir parce qu'ils l'ont vu avec leur cerveau seulement. Si quelqu'un, comme on dit quand on, dans la tefila, avant qu'on commence à lire dans le Sefer Torah, quand on fait monter le Kohen, alors on dit, il y a un mot de le Kohen, etc. Après on dit le Pasuk, « Ve'atem advekim bashem elokechem, chayim kulechem ayom. » Et vous qui êtes collés à Kadosh Baruch Hu, vous vivez tous aujourd'hui, vous êtes vivants. Bien que vous êtes collés à l'infini, vous restez vivants quand même. Comment on peut être collé à l'infini et rester vivant? Grâce à l'alliance. Parce qu'on a tressé un lien. Du moment où on a tressé le lien, ce lien-là, il nous permet de voir une lumière très forte. Alors que si quelqu'un il n'a pas ce lien, et il va s'amuser à regarder la lumière, cette lumière elle va le détruire, comme on a vu les quatre qui sont rentrés dans le Pardès. Ces quatre-là, il n'y a que Rabbi Akiva qui est sorti Béchalon. Parce que les autres, ils avaient le cerveau qui était plus grand que les liens. Donc maintenant, ils ont fait une recherche avec le cerveau, sans vérifier la qualité des liens. Et leur cerveau, ils les emmenaient au-delà de leurs liens. Et les liens, ils ont craqué. Tout. Quand quelqu'un il veut lever un poids ou autre avec une corde, il faut qu'il s'assure d'abord que la corde, elle va tenir plus que le poids. La corde, elle a la résistance du poids qu'il veut tirer. Maintenant, quelqu'un, il a vu une lumière, il l'a vu avec son cerveau, alors il croit qu'il peut s'engager. Alors, Kadosh Baruch Hu dit, va doucement, commence à établir des liens d'abord. Commence à établir des liens, occupe-toi des liens. Ne t'occupe pas de la lumière pour l'instant, occupe-toi des liens. Établis des liens, et ces liens-là, ils vont te permettre après de pouvoir rentrer dans une lumière qui soit une lumière vraiment grande, une lumière qui va te faire vraiment progresser énormément. Mais d'abord, établis des liens. Comment je vais établir des liens? Dans tout ce que je vais faire, dans ma discussion avec Hachem, dans ma recherche d'Hachem, là où je me trouve maintenant, dans mon niveau, c'est là où je vais établir des liens. Je ne peux pas établir des liens avec des choses qui ne sont pas, auxquelles je n'appartiens pas, des choses que je ne comprends pas. Je ne peux pas établir des liens dans d'autres domaines qui sont des domaines que je ne connais pas. Je peux établir des liens à travers mon travail, je peux établir des liens à travers ma famille, je peux établir des liens
à travers ma nourriture, tout ce que je fais et qui sont des domaines dans lesquels j'évolue, là-dedans, je peux établir des liens. Mais quelqu'un, s'il n'a pas établi les liens à ces niveaux-là, où il va établir les liens? Dans quoi il va établir les liens? Vers où il va aller chercher? Après, il s'engage dans des choses avec son cerveau, et ce qu'il a vu avec son cerveau, ça peut le détruire complètement, Chazé Shalom. D'abord, les liens. Il faut arranger les liens. Il faut arranger l'alliance. L'alliance à tous les niveaux. Une fois que j'ai arrangé l'alliance, après, je vais me rendre compte automatiquement du chomayom, de la chaleur de la journée, c'est-à-dire je vais me rendre compte de la présence divine. Tiens, là, il y a Hachem, là, il y a Hachem, là, il y a Hachem. Je vais le voir. Une fois que je vais le voir, après, ça y est, l'engagement, la confiance, elle est là, elle s'est établie. À ce moment-là, on avance. C'est ce qu'il a fait Abraham Avinu. Que d'abord, il a réparé l'alliance. Il a fait la mitzvah de la Mila. Et après, c'est écrit que chomayom. Parce que Kadosh Baruch Hu, il a fait sortir à ce moment-là le soleil de son écrin. Et c'est comme ça sera dans le futur, c'est écrit dans la Gemara, dans Baba Mtsia, Kadosh Baruch Hu, il va sortir le soleil de son écrin. Et ce jour-là même, Avraham Avinu, il a fait cuire des matzot. Il a dit à Sarah, l'echi deshi alom, l'ushi matzot. Il a dit, va faire pétrir et fais des matzot. כמו שכתוב שם בעניין מארי שלוש שעים, לושי ועשי עוגות, אני אגיד עוגות, זה דמצות. פסק ראשי די פסח היה, זה תה פסח. לג'ור הוא אברהם אבינו אלה פסח, זה תה פסח. ווייה לסדר דלה גאולה, זה למם סדר כסי פסי פור אברהם אבינו, זה כתוב על המם שוב. זה למם שוב כסי רפטה. אלה פי לברית מילה, יאיו לסולי, יאיו למצות, זה תה פסח. כל העם ישראל על אגיפט זה פרי. Ils ont fait la Brit Mila, il y a eu le soleil qui a éclairé, c'est-à-dire qu'ils ont vu la présence d'Hachem, et ils ont fait les matzot, ils sont sortis. Ki matzot ou prinat lechem apanim, shezochim alede shmirat abrit. Parce que qu'est-ce que c'est matzot? C'est lechem apanim, c'est le pain du visage auquel on a accès grâce au fait qu'on répare l'alliance. Shem prinat lechem cham darge de Avraham. C'est le pain chaud, le niveau d'Avraham Avinu. Prinat kechom ayom, comme la chaleur du jour, Sheaz afa Avraham matzot, que à ce moment-là, Avraham Avinu, il a fait cuire des matzot. Ce jour-là, c'était Mamash Pessah. C'était tout le seder, c'était le seder de Pessah. Ça a commencé Avraham Avinu, avec Avraham Avinu. Mais c'est Prinat Sfirata Omer. C'est pour ça qu'on fait après la Sfirata Omer, on compte le Omer. Ki kara Sfira ou Prinat ishtokekut ve kisufim dikdusha. Parce que toute la sphira, c'est quoi? C'est de vouloir la Kdusha. Que chacun, il languit, il veut recevoir la Torah à Shavuot. C'est ça qu'on compte. C'est-à-dire, on compte parce qu'on désire arriver à ce jour-là. Comme quelqu'un qui veut quelque chose. Par exemple, il attend avec impatience le jour de son mariage, ou il attend avec impatience le jour où il va y arriver à sa bar mitzvah, ou le jour où il va partir en vacances, ou n'importe quoi, il compte les jours. Les jours où il va quitter l'armée, ou des choses comme ça. Il attend, alors il compte les jours. Alors il compte les jours. Quand est-ce que je vais arriver au grand jour, comme on dit? Parce que Pessah, la Géoula, la délivrance, elle vient principalement par le vouloir de la Kdusha. Aval az, aya akol alede taouta dilela levad kayadoua. Mais à ce moment-là, quand on est sorti d'Égypte, ça n'était qu'une intervention d'en haut. C'est-à-dire, tout s'est fait par le côté d'en haut. Aval achar kar tsechim shiditorer anachnu beatzmenu. Mais une fois qu'on a vu cette lumière qui est venue d'en haut, on doit se réveiller de nous-mêmes. Maintenant, prendre des engagements de par nous-mêmes. C'est bien, quelqu'un il a vu la Torah, ça lui a plu, etc. Maintenant, qu'est-ce que lui fait pour s'engager? Comment lui va participer de par lui-même? C'est ça la Sfirat HaOmer, que nous-mêmes on doit se réveiller. Que nous on doit vouloir languir, désirer se rapprocher d'Hachem. Zeprinat Sfira, que ça s'appelle compter. C'est pour ça qu'au moment où on fait la Sfira, il y a un très grand éveil. Il y a un délanguissement très fort vers Hachem.
Parce que tout le lien de la Sphira, c'est la personne, elle désire vraiment se rapprocher d'Hachem. Donc comme on a dit avant, au début, on reçoit une lumière. Cette lumière-là nous fait aimer. Maintenant qu'on a aimé, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit commencer à chercher, à s'engager, à recevoir, à mettre les lettres en place, à ponctuer les lettres comme il faut, de manière à ce que la vie, elle soit interprétée de la bonne manière, qu'on puisse interpréter notre vie de la bonne manière, qu'on puisse avoir les choix qu'il faut dans la vie. On peut savoir les choix, ou du moins qu'on nous donne les gens qui vont nous aider à trouver nos choix. Que Hachem nous oriente, qu'on puisse avoir les personnes qui vont nous aider à choisir ce qu'il faut choisir, Béhémeth. Chacun il cherche dans sa vie. Rabbeinu dit dans Torah Vav, dans la Torah du mois d'Elul, il dit que maintenant quand quelqu'un veut faire tshuva, alors qu'est-ce qu'on lui dit? On lui dit attends. Pourquoi il dit on lui dit attends? Parce qu'on lui dit le temps que tu attends, c'est ça qui va faire que tu vas recevoir la Torah. C'est pendant que tu attends que tu es en train de fabriquer maintenant l'assemblage des lettres. Parce que on te dit mais qu'est-ce que tu attends? Elle dit j'attends parce que j'ai vu une lumière et puis maintenant je veux la revoir. Alors maintenant les gens ils vont essayer de vous décourager. Elle dit mais pourquoi tu étais habité en Israël? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Tellement tu étais découragé, tellement tu n'as rien fait dans ta vie, qu'il ne te restait qu'une seule chose, d'aller en Israël. Voilà comment les gens ils interprètent la vie de quelqu'un qui a vu la lumière. Parce qu'ils n'ont pas vu la lumière. Et ils sont en Égypte, alors ils pensent que là-bas c'est bien. Ils sont avec le pharaon, avec celui-là, avec l'autre. Ils disent, mais pourquoi tu t'en vas? Qu'est-ce qu'il y a? On est bien ici. On a des pastèques, on a des melons, on a tout. Pourquoi tu t'en vas, toi? Alors il dit non, mais vous savez pas ce que j'ai vu. Il dit, ouais, mais toi, tu es bizarre, tu es quelqu'un de bizarre. Bon, qu'est-ce que tu veux? Tu t'es découragé, alors tu as fait ça, etc. Ou quelqu'un, il va se marier. Il dit, mais pourquoi tu vas te marier? Pourquoi tu vas t'engager dans quelque chose, etc. Reste libre, sois libre. À chaque fois que quelqu'un, il va vouloir faire quelque chose, alors on va vouloir lui dire pourquoi il fait ça. Et maintenant, pourquoi pas on lui dit ça? Parce que lui, maintenant qu'il s'est engagé, alors il est frais. Il est frais dans son engagement. Il ne doit pas réfléchir, comme Rabbi nous dit, on doit manger de la matzah, on ne peut pas manger, on doit manger de la galette, pas du pain, parce que le pain, il a fermenté, il y a de l'air dedans. Cet air, c'est quoi? C'est la réflexion de l'homme. On ne peut pas réfléchir, parce que l'engagement, il est nouveau. Donc, on ne peut pas se réfléchir, maintenant, on attend. On attend quoi? On attend que vienne le moment de Matan Torah. Une fois que je vais recevoir la Torah, alors c'est fini. Je vais recevoir ma Torah, maintenant on ne pourra plus me raconter n'importe quoi. Parce que ça y est, j'ai reçu ma Torah, c'est-à-dire maintenant j'ai concrétisé mon engagement. L'engagement, il est devenu réel maintenant. Donc c'est autre chose complètement. Mais pendant cette période-là, qui est entre dans la Sphirat HaOmer, c'est une période qui est un petit peu amère parce que les gens ils sont entre deux mondes. Alors ils se font critiquer des gens qui sont à l'extérieur. Et ils se font moquer des gens qui sont à l'intérieur. Les gens qui sont dans la Torah, ils se moquent d'eux. Et les gens qui sont dehors aussi, ils se moquent d'eux, ils les critiquent. Ils disent, mais qu'est-ce que tu as fait? Faut que tu t'es engagé là-dedans, etc. Tu es rentré dans une secte, ou tu es rentré dans ça, ou tu as fait ci, ou tu as fait ça. Les gens, ils l'attaquent sans arrêt, parce qu'il est frais encore. Et surtout, il attend. C'est-à-dire, on ne voit pas chez lui des changements qui ont l'air tellement extraordinaires. Alors lui, il attend pour l'instant. Il dit, mais j'attends. Il dit, mais qu'est-ce que tu attends? Ben j'attends, ça va venir. Et qu'est-ce que tu fais pendant ce temps-là? Ben je veux et je le dis à Hachem que je veux. Et à chaque fois que je dis que je veux, je crée une âme, et encore une âme, et encore une âme, jusqu'à ce qu'il y ait assez d'énergie spirituelle pour que je puisse recevoir la Torah. Et quand j'ai reçu la Torah, ça y est, je suis sauvé. Après, j'ai plus qu'à avancer, Bezat Hachem.